Au Japon, le thé est associé à la tradition, à l'art de vivre. C'est la même chose pour le karaté, un art martial qui est né ici. Dans cette édition de Global Japan, nous découvrons les différentes dimensions de cette boisson et de ce sport à travers le regard d'étrangers qui se sont installés ici. C'est dans l'ancienne capitale Kyoto que bat le cœur de la culture du Japon. Ses temples, son histoire et son mystère sont là pour en témoigner. Au détour d'une ruelle, un lieu chargé de traditions s'ouvre à nous. Cette maison de thé a été construite il y a plus de 2 siècles. Le maître de thé, Thias Wibrecht, qui est originaire de Belgique, nous invite à nous détendre. Il sert le thé selon un rituel précis aux côtés de son tuteur, le Britannique Stephen Gibbs. Ce que nous allons vous servir, c'est du thé épais qui est préparé à partir des feuilles les plus fraîches, les plus jeunes, les plus sucrées. Elles doivent avoir été cueillies à la main. Tout a une signification dans ce rite du thé et il faut respecter une certaine gestuelle. Les invités aussi doivent l'apprendre. Ce que vous allez faire, c'est remercier l'univers ou les dieux et les bouddhas pour avoir mis cela à votre disposition. Vous allez placer la coupe devant votre front et baisser votre tête. Ce thé, épais et fort, doit être bu lentement, il faut se dédier au moment présent. Les principes de ce que l'on appelle la voie du thé, comme le chemin, sont l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité. Thias est venu au Japon pour étudier les arts martiaux et la littérature japonaise du XVIIe siècle. Pour lui, la cérémonie du thé vient contrebalancer la vie moderne. Cela vous permet de ralentir le rythme et de prendre un moment pour vous détendre et d'échapper à tout. Le rite du thé est une solution et une manière de prendre de nouveau conscience que la beauté est essentielle et d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont vraiment. C'est quelque chose qui est totalement détaché de l'agitation et des horaires. Autrefois, pour entrer dans ce lieu, vous deviez laisser votre épée à l'entrée sur un portant, ce qui voulait dire que vous mettiez de côté votre rang social et que vous redeveniez un simple individu. Jaco Minard d'Afrique du Sud suit une autre voie pour s'échapper du quotidien. Ce vice-président en charge du recrutement à JP Morgan Tokyo pratique le karaté dans ce dojo, le siège de Gojukai Karaté, une association présente dans 60 pays dans le monde. Elle prône un karaté traditionnel, de style Goju-ryu, qui intègre le combat, mais aussi le kata, une sorte de chorégraphie. J'en faisais quand j'étais en Afrique du Sud, et ça m'a poussé à venir au Japon. Aujourd'hui, 14 ans après, ma vie a totalement changé. Jaco Minard dit appliquer au travail ce qu'il apprend sur le tatami, à savoir les principes de ce type de budo ou art martial. Respect et discipline. La discipline de faire et refaire la même chose jusqu'à ce que ce soit parfait. C'est, je crois, un formidable trait de caractère des Japonais. Le directeur de l'association Gojukai Karaté a rencontré Jaco Minard il y a plusieurs dizaines d'années. Hirofumi Goshi Yamaguchi est issu d'une dynastie de maîtres de karaté. Quand il a gagné des matchs de karaté au Japon, les gens ont commencé à admirer sa force, sa personnalité et sa gentillesse. Reconnaissance mondiale pour le karaté, ici dans sa version plus combattante lors d'une compétition à Kobe, il deviendra sport olympique aux Jeux de Tokyo en 2020. En tant que pratiquant et enseignant, c'est un rêve qui se réalise et on est très content. Je crois que c'est une occasion géniale pour que les enfants se mettent au karaté. C'est un moyen d'être en forme et d'apprendre la discipline, le respect et tous les éléments du budo. C'est tellement important pour la culture japonaise. Une culture riche de saveurs et de sensations qui mêle dimension physique et mentale, où Jaco, Thias ou encore Stephen ont trouvé la paix intérieure. C'est la fin de ce Global Japan. Au nom de toute l'équipe d'Euronews, sayonara et merci de votre attention.